Et alors on a un autre sujet avec monsieur le sénateur maire, c'est qu'on est en train de réécrire la convention entre la police nationale et la police municipale, qu'on s'apprête à signer prochainement, et qui là aussi est quelque chose d'important parce que ça va nous permettre, comment dire, de revoir les conditions du partenariat pour un travail d'efficacité renforcée, notamment sur les patrouilles nocturnes et sur la gestion des grandes manifestations, enfin sur un certain nombre de sujets. Donc là aussi ça va dans le bon sens. Nous sommes devant le commissariat de police pour la réception des travaux financés par la mairie de Mende. Le parking a été entièrement refait, il est maintenant tout à fait aux normes pour recevoir le public. Le problème était que le commissariat étant situé dans une pente, il connaissait des infiltrations. Maintenant, donc, tout est à fait aux normes et le préfet et le sénateur maire en profitent pour visiter les locaux, voir notamment l'organisation des services et puis parler aussi de la mutualisation de ces services avec notamment un travail entre gendarmerie et police. Surtout c'est qu'ils peuvent pas s'allonger complètement. Ou alors il faut que des gens peuvent. Ça va mettre 80, donc je vais pas. Si vous pourriez rester assis. Le poste technique. Et qui va nous présenter la bande T4. Un ordinateur qui est relié directement au fichier des cas dactylaires des CULI, qui est accessible à toutes les forces de police, de gendarmerie, de justice. Donc après, on y rentre des mises en cause, qu'on signalise dans le cadre de dossiers de crimes ou de délits. Et on y rentre aussi nos fiches traces, c'est-à-dire que tout ce qui est traces découvertes sur des scènes d'infraction. D'avoir à ce niveau-ci un passe-plat qui évite pour les repas d'avoir contact direct entre le gardien à vue, qui peut être dangereux, et le. Et puis on va quand même aussi garder beaucoup collectif de rétention. Voilà aussi. Logiquement, il faut scinder les femmes mineures et les autres gardés à vue. Il y a des locaux.